Je vous propose maintenant un petit power leveling. Zoro contre Luffy, contre Sanji. Voilà, je vous propose un petit bail tranquillement. Voilà, un petit bail tranquillou. Power leveling, Luffy contre Zoro, contre Sanji. Voilà, du début à la fin, on verra. Let's go, c'est parti. Montre-nous tous tes secrets, mon ami. Donc, Luffy petit, ok. Zoro petit. Ok, donc là, Luffy sans le fruit. Oh, Zoro lui met une tempête, hein. Attends, Zoro, il envoie combien de Luffy? Luffy base, ok. Ok, donc là, on a au tout début de l'œuvre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Luffy, 1500. Zoro, il a combien? Zoro, il a combien? Ok, 1300. Ok. Et là, on a... Ok. Donc, le capitaine au début est un peu supérieur au deuxième, au premier commandant. Qui est un peu supérieur au deuxième commandant. Ok. Ok. Contre Don Krieg. Ok. Ça monte un petit peu. Oh là là, oh là là. Zoro, il est supérieur à Luffy contre Don Krieg. Pourquoi? Zoro. Ok, donc Zoro. Ah ouais, Zoro blessé. Ok, d'accord. Bon, au début, donc là c'est le Zoro. Mais je comprends pas, pourquoi? Ah, contre Mihawk. Ah, le Zoro contre Mihawk. Mais c'est pas... Mais en fait, pourquoi à chaque fois qu'il y a Mihawk dans l'histoire, ça bousille tout? Pourquoi? 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 Pourquoi Mihawk il est toujours dans les sales embrouilles? Pourquoi Mihawk il est toujours dans des embrouilles de fou? Je comprends pas. À chaque fois, c'est systématique. À chaque fois qu'il y a Mihawk, tous les schémas, tous les arcs et tout, toujours il y a un problème. Ok, donc là c'est le Zoro blessé. Mihawk il est là, il donne des boosts. J'avoue, on est dans un jeu vidéo là. J'avoue. À quel moment le second peut dépasser le capitaine? Bonne question. Très bonne question. Ok, on continue. Alabasta. Ah, là on a une petite... un petit écart qui se creuse. Luffy vaut à peu près 2 euros, grosso modo. Ah non, j'ai rien dit. Ah non. Ah, attendez. Contre Crocodile, ok. Contre Mr. One. Ok, il n'y a pas une grande différence de niveau entre Luffy, Zoro. Ok. Skypea. Luffy, Zoro. Ok. Donc le mec part du principe que Luffy est pas très très haut vis-à-vis de Zoro, si je comprends bien. Alors attendez, je mets pause 2 secondes. Luffy 2008, Zoro 2005. Ok, bon, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. C'est Burning Blood les boosts. Non, le meilleur c'est le boost avec Mihawk. Il est où 2 secondes. Le meilleur c'est le boost avec Mihawk, genre. Il a quasiment... Bon, c'est pas grave. Il a quasiment le niveau... Enfin, il est supérieur à Luffy, je crois. Petit boost tranquillou, pourquoi pas. Golden Hammer. Ouais, en fait, le problème, je pense que c'est sur Enies Lobby, je sais pas s'il va vraiment suivre le bail. Avec Enies Lobby, à mon avis, il va pas trop suivre le truc, hein. On verra. Gear Secondo, Ashura, ok, Diable Jambe, ok, Gear Third. Mais en fait, c'est des valeurs pour une technique ou... Le problème, c'est que ça voudrait dire que Zoro est... capable de battre Rob Lucci, ce qui n'était pas le cas. En fait, l'auteur a vraiment introduit des valeurs pour une fois. Pour une fois que dans l'œuvre on a des valeurs, faut quand même les respecter. On a Rob Lucci qui vaut 2 Kaku. On voit bien qu'on a le schéma classique d'OP avec le capitaine qui vaut 2 secondes en fait. Donc à partir de là, on a bien Luffy qui est devenu hyper chaud. Contrairement aux arcs d'avant, même si bon, c'était quand même bien bien illustré. Voilà. On a quand même des valeurs qui font que tu peux pas mettre Zoro égal Luffy à ce moment-là. Le Duriki va à l'encontre de ton bail, monsieur. T'es compliqué, hein. Tu abuses du bail, mon pote. Tu abuses du bail. Ouais, t'as abusé du bail. Après, ça, c'est l'effet Ashura. Hein. Ashura, technique de malade aussi. Hein. Shadow, Swordman Luffy. Et regardez, le Nightmare Luffy, il a une épée. Vous pensez qu'il bat mieux ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est Luffy là et le meilleur épée du monde ou pas? Est-ce que pour vous, ce Luffy là est le meilleur épée du monde ou pas? Oui. Chut. Pas trop fort, vous avez énervé des gens. Chut.
Sabondi, ouais, non. Luffy, Sabondi, il est au-dessus de Zoro, non. Gearford, ouais, non. Non, compliqué. Non, j'y crois pas. Non, parce qu'Aldouriki, pour une fois que l'auteur met des valeurs, vous ne l'écoutez même pas. Les anglophones, vous déconnez. Gearford, training with Mihawk. Ivankov, boost, training with Mihawk. Encore un bonus Mihawk. On a encore le up Mihawk. Ouh, il y a Vista, regardez, il est là. Il y a Vista. Regardez, il y a Vista. Attendez. Il est là. Regardez, il est là. Il y a Vista. Il est là, le roi. Il est trop fort. Hein. Il est trop fort. Donc, merci pour le... Il a mis Commander Level. Ouais, t'as vu? Ah, attends. Ah oui. Commander Level. Ah oui, j'avoue. Ah ouais. Bon, attendez, on va arrêter de rigoler deux secondes là parce que... attendez. Zoro, il est Commander Level sur l'archipel? Ouais, non, mon pote, tu abuses du bail. Tu abuses du bail, mon ami. Tu vas trop loin. Regardez, il y a encore Vista. On a peut-être un fan de Vista. On a peut-être un book de la team Vista. Non, il va trop loin, par contre. Hein. Commander Level, Tatsumaki, Sanji. Eh, Sanji, le pauvre, il se fait toujours démonter, hein. Là, c'est le retour. Mais le problème, c'est que il dit quand même que Zoro égale Commander Level. Mais il a pas le Commander Level, Zoro. Attendez, Luffy, à quel niveau, Luffy? Ouais, Zoro égale Commander Level. C'est encore à cause du boost de Mihawk, hein. Toujours, hein. Toujours. Quand il y a Mihawk dans une affaire, c'est toujours un bordel. Toujours. C'est toujours la même chose. Toujours, quoi qu'on fasse. On ne peut rien y faire. Regardez, boost de Mihawk, il a un niveau commandant, Zoro. C'est compliqué. On sait tous qu'il va mettre Mihawk après. Ouais, bah oui, forcément. Attendez. Sanji contre Doflamingo, il a niveau commandant. Non, tu vas trop loin, mon pote. On était de bonne humeur et tout. On a bien rigolé. Ishidai, Sanzen, Daizen, c'est quand il a quel niveau? Encore commandeur, mais attends. Zoro, il a niveau commandeur depuis le retour. Luffy, base. Commandeur level. Ça, Luffy, base. C'est Luffy, base ou Luffy, tankman? Malheureusement, il a pété les plombs avec Zoro en fait. Et du coup, de là, t'enchaînes les trucs. Forcément, quand tu pars du principe que Zoro, depuis le retour au niveau des commandants, bah oui, forcément, ça va un peu dans tous les sens, donc bon. Momonga. Bonne de même contre Katakuri. Momonga. Non. Non, tu te fous de nous, là. Non, attends. 35% effective. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce charabia, là? C'est quoi cette singerie, mon ami? C'est quoi cette clownerie, là? Dans un cirque ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Momonga? Luffy également... Luffy contre Katakuri également manga? Mais tu te fous de nous, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Snakeman également manga? Non, vas-y. Non, je suis dégoûté, là. Ah, je suis dégoûté, là. Je vais même pas dormir cette nuit. Ah, je vais même pas réussir à m'endormir, là. Ah, là, je suis dégoûté, là. Avec tout le respect que j'ai pour toi, mon pote, c'est dégueulasse, hein. Franchement, je suis écœuré, là. Hein, franchement, je suis... Katakuri également manga? Oui, bien sûr, t'as raison. Mais ça va pas la tête ou quoi, non, franchement. Boone de même contre Kaido également mon... C'est qui mon manga? Attendez, il existe un deuxième Momonga ou quoi? Il y a un Momonga qu'on connaît pas, non? Attendez. Momonga version 2? Non, version anglophone peut-être. Peut-être que chez les anglophones? Non. Il y a Momonga de Overlord peut-être? Il y a Momonga Pinball Adventure, c'est un jeu à ce que je vois? OK, il a peut-être confondu hein. Peut-être que c'est pas le même Momonga. Parce que là, ça n'a aucun sens en fait.
Le Luffy Gear 4 contre Kaido égale Momonga. Momonga d'Overlord, bah oui, bah justement, oui, tout à fait. Mais on a vu Momonga combattre un commandant ou pas? Est-ce qu'on a vu Momonga genre combattre Jaws et faire jeu égal avec lui? Ça existe ou pas? Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me donner le numéro du chapitre, s'il vous plaît? Il me faut le numéro du chapitre qui nous montre que Momonga a le niveau de Katakuri. Quelqu'un a la preuve, s'il vous plaît? Par pitié? Chapitre moins 32. Zoro avec Enma égale Momonga, ok. Attendez, mais Zoro, il passe de niveau commando à niveau Momonga. Luffy, il a combattu Kaido. Il a perdu. Il s'est entraîné, tout ça pour faire jeu égal avec Momonga. Non, tu vas trop loin. Ça va trop loin, mon pote. Ça va trop loin. T'abuses du... Il n'y a que des Momonga dans l'équipage des Mugiwara. Onigashima, l'équipage des Mugiwara. C'est donc ça, le monster trio vu par les anglophones? Le trio de Visamiro, je sais pas. Mais là... Mais trois Momonga, ça fait peur à qui? Qui aura peur de trois Momonga? C'est une dinguerie, hein. Le trio de tête des Mugiwara, c'est trois Momonga. Bundemen plus Ryu égale Zoro, Oden, Ashura. Ok. C'est bon, c'est terminé. Ouais, t'es parti trop loin, là. Ah bon. Je retiendrai cette magnifique image avec Luffy, Zoro et Sanji égale Momonga. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Encore un ami anglophone que vous voulez que je vous dise. The World! 時を止まれ!